C'est un sentiment mitigé. On avait pour objectif d'essayer de tirer une Ligue 1 comme au tour précédent. Et ensuite, le deuxième objectif, c'était de recevoir. Donc, on va pas tirer une Ligue 1, mais par contre, on va jouer à domicile. Et ça, pour nous, c'est un vrai avantage parce que, bon, déjà, c'est notre terrain. Parce qu'on a beaucoup reçu pour notre parcours en Coupe de France et ça nous a bien aidé. Et surtout, en termes d'organisation, jouer en semaine avec des joueurs qui travaillent, c'était compliqué. Donc là, c'est un avantage aussi pour nous. Donc on est satisfait, même si on va jouer une équipe de notre niveau qui a connu le national la saison dernière et qui sera un adversaire redoutable. Au bout, il y a un quart de finale à aller chercher. Donc pour les deux équipes, ça peut être considéré comme une vraie finale parce que derrière, aller en quart de finale, je dirais, ça nous permettrait à 90% des cas de pouvoir tirer une Ligue 1. Donc c'est un rêve qui pourrait se réaliser. Donc voilà, je pense que c'est du 50-50. L'objectif de cette semaine, donc c'est complètement décompresser. Après tout ce qu'on a connu en termes d'émotions. Donc on va faire une semaine plutôt ludique, on va gérer un petit peu les blessures. Donc ça va être l'objectif pour cette semaine, voilà, avec des séances réduites. Et ensuite, à partir de la semaine prochaine, donc on a 3 semaines pour nous préparer, donc à raison de 3 séances par semaine, plus des matchs de préparation, donc des matchs amicaux, pour garder le rythme et être prêt le jour J contre le Puy.